on la mentionne en tant que pionnière de l'émancipation des femmes et des minorités de couleur, alors qu'elle n'a jamais été une fervente politicienne antiraciste et qu'elle a vécu isolée en tant que personne noire en Suisse. Parce que la chancellerie est installée au château, ouvrant la porte, à claquer au mur presque, levant les bras au ciel, Thilo est élu. Ça a été un tollé général. Tous ces messieurs se sont levés, m'ont tapé sur le dos, sur l'épaule, m'ont secoué les bras, m'ont embrassé. C'était vraiment un moment émouvant. J'ai la réputation d'être excessivement maîtresse de moi-même, mais je dois vous avouer que j'avais les yeux pleins de larmes et je devais me mordre les lèvres pour ne pas presque éclater en sanglots, tellement j'étais émue, bouleversée, non seulement du fait d'être élue, mais du comportement de mes collègues qui vraiment étaient heureux. Et ça a été un moment inoubliable, ça a été extraordinaire. Et ça m'a récompensée de toutes les peines que j'ai eues, même des moments de découragement qui peut-être tenaient plus à la fatigue qu'à autre chose, mais vous savez, lorsque vous êtes fatigué, vous devenez pessimiste, vous voyez les choses en noir. C'est grâce à cet échange d'idées et des données historiques que nombre de personnes ont prévu leur point de vue initial et qu'elles adhèrent à la solution du respect de l'antiracisme sur cette place publique. Louis Agassiz s'appuyait sur la théorie selon laquelle blanc et noir auraient été créés séparément. Louis Agassiz postulait une hiérarchie des races. D'abord, faire de cet espace un lieu de mémoire dans toute sa complexité de Louis Agassiz à Tino Frère. Que les universités, comme d'autres institutions, reproduisent et s'engager à les déconstruire. Laissez-moi vous expliquer davantage ce que je veux dire en revenant sur Thilo Frey. C'est une question politique d'engagement féministe, antiraciste, mais aussi décoloniale.